Père Paul, vous êtes recteur du sanctuaire de Montligeon. Pouvez-vous nous le présenter, ce sanctuaire? Alors, le sanctuaire et la fraternité qui est internationale, qui est présente aussi au Québec, qui est présente en Afrique, c'est une fraternité de prière pour les défunts. Et donc, en fait, ensemble, on prie et on a une messe perpétuelle, une messe qui est célébrée tous les jours au sanctuaire de Montligeon, qui est une grande basilique au milieu des champs, vraiment très belle, et qui accueille des personnes en deuil, qui accueille des personnes qui viennent prier pour leurs défunts. Et donc l'œuvre de Montligeon, c'est ça. C'est à la fois une fraternité qui vit dans les paroisses, dans le monde entier. Il y a des groupes de prière, je sais, à Gatineau. Il y a des membres de la fraternité ici au Québec. Il y en a beaucoup en Afrique, dans différents pays. Il y en a en France. Et ces groupes de prière se retrouvent ensemble pour prier pour les défunts et pour porter l'espérance chrétienne. C'est votre évêque qui, un jour, est arrivé en vous disant « Est-ce que tu accepterais de prendre la charge du sanctuaire? » Alors moi, je suis prêtre de la communauté Saint-Martin. C'est une communauté qui est au service des évêques. Et c'est mon modérateur qui lui-même avait été à Montligeon et qui m'a dit « Je compte proposer ton nom à l'évêque pour être recteur de Montligeon. » Au début, je me suis dit « Il est fou. » Et puis, en même temps, je m'étais dit « Les âmes du purgatoire, c'est pas très drôle. » Et en même temps, je trouve que c'est le cœur du message chrétien. C'est-à-dire que nous, vraiment, nous croyons à la mort et à la résurrection du Christ. Donc nous croyons que l'avenir est beau, quel que soit notre âge, que j'ai 25 ans, 50 ans, 70 ans ou même 110 ans. Les plus belles joies de ma vie, elles sont toujours devant moi. C'est quand même un beau cadeau. Et je suis au service de ce message à ma petite place de recteur. On pourrait avoir l'impression qu'il y a peut-être des gens âgés ou malades qui vont au sanctuaire de Montligeon. Est-ce que c'est le cas? Ou des gens en deuil. En fait, on a tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a des personnes en deuil, des mamans qui ont perdu un enfant qui s'est suicidé, d'un accident, un conjoint qui a perdu. Là, par exemple, récemment, j'ai eu Robert qui a 90 ans, qui a perdu sa femme après 65 ans de mariage. Et on a aussi des jeunes qui viennent en récollection, donc on a des mélanges de plein de populations. Des personnes en deuil, des personnes malades, des personnes qui se posent des questions, des personnes qui ont besoin de se reposer. Ce qui est très beau, en fait, c'est que ce sanctuaire est à la fois un lieu où beaucoup peuvent pleurer, et en même temps un lieu où les gens ressentent de la paix, mais une paix qui n'est pas la paix sombre des cimetières, mais qui est une paix de vie, quoi. Donc il y a une atmosphère de vie. Et puis, ce qui est très beau aussi, vous voyez, par exemple, là, on a des haltes deuil, des personnes en deuil qui viennent pendant une semaine ou pendant deux jours. Et quand ils arrivent, ils ont le visage tout fermé. Je me souviens d'une maman notamment qui avait perdu son fils suite à un accident, qui était en guerre, quoi, qui était en colère, on comprend. Et à la fin, avant de partir, je l'ai entendu éclater de rire. Donc en fait, c'est très surprenant comme sanctuaire. Et ça nous dépasse, nous. Hein. Enfin, nous, les prêtres et les religieuses et les salariés, ça nous dépasse. Mais il y a quelque chose qui se vit. Ouais. Je pense que c'est la proximité de la Vierge Marie. Moi, je me pose une question. Comment est-ce que vous faites pour vivre un quotidien, rester joyeux, alors que tous les jours, vous parlez de la mort? Parce qu'en fait, il y a une chose, c'est un cadeau que je vis à Montligeon, et ça, mais j'en remercie le Seigneur, c'est que les personnes éprouvées qui viennent à Montligeon, là, j'ai des amis, par exemple, qui ont perdu leurs deux filles qui ont été tuées pendant les attentats du 13 novembre. J'ai Robert qui a perdu sa femme. J'ai cette dame qui a perdu son enfant. En fait, ils ne se rendent pas compte, mais en venant à Montligeon, en cherchant l'espérance, c'est eux qui me donnent l'espérance. Donc on a l'impression que, oui, c'est triste, il y a des drames, mais en fait, la vie est parfois dure, il y a de la souffrance. Mais c'est les personnes qui sont dans l'épreuve qui sont pour moi des témoins d'espérance. Ils ne se rendent pas compte, eux, mais ils sont lumineux. Et en fait, moi, je suis éclairé par tous ces gens qui viennent. Et donc ça me met une pêche heureuse. Enfin, ça me soutient dans mon sacerdoce. C'est un cadeau, ouais. C'est un vrai cadeau. Je crois qu'il existe 900 groupes de prière, de fraternité dans 45 pays, est-ce que c'est ça? Et comment est-ce qu'ils sont rattachés? Qu'est-ce que ces petits groupes-là vivent au quotidien, ici par exemple au Québec? Puis c'est quoi l'attachement qu'ils ont au sanctuaire? Dans tous les pays, enfin en Afrique, en France, les groupes se retrouvent dans la paroisse. Et ça peut être toutes sortes de... Soit ils se retrouvent ensemble pour la messe, une messe une fois par mois pour prier pour les défunts, pour leurs défunts et aussi pour tous les défunts de la paroisse. Ça peut être l'occasion d'accueillir des personnes en deuil et de leur dire « Tiens, viens, on va prier pour ton fils, on va prier pour ton mari. » Et ces groupes de prière prient pour les défunts, se forment sur les fins dernières, méditent. On envoie un bulletin qui permet de dire le rosaire. Il y a la prière du rosaire aussi. Et ensuite, ces groupes de prière peuvent aussi aider dans la paroisse, soit dans la pastorale. Je me souviens, à La Réunion, il y a une chorale de Montligeon qui assiste pour les offices.
enfin pour les funérailles. Il y a un autre groupe dans les Antilles, je crois, qui vient visiter les personnes vivantes au moment du deuil et apporter des fleurs. Il y a d'autres groupes en Afrique, par exemple, ils nettoient les cimetières, certains montligeonnais. Et puis ensuite, ben voilà, c'est au service de la paroisse et de l'espérance dans la paroisse. Et je trouve que c'est beau parce qu'ils peuvent accueillir des personnes parfois qui sont un peu plus loin de la foi et qui sont en deuil et de dire, ben viens, on va, voilà, t'as perdu un être cher, et ben tu vas nous parler de cet être cher et on va prier pour lui. Vous avez parlé de la Vierge Marie, du rôle de la Vierge Marie à Montligeon. C'est quoi le rôle de notre maman? Eh bien, c'est notre maman. Moi, je le découvre de plus en plus, en fait. Et en fait, ceux qui me le font découvrir, c'est les gens en deuil. Et quand on les interroge, on leur dit « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Je viens, par exemple, cette maman qui a perdu ses deux filles suite à un attentat, qui me dit « Je veux qu'elle soit avec Marie. » Un monsieur qui a perdu son épouse et qui me dit « Je viens prier pour qu'elle soit avec Marie. » En fait, c'est dingue. Ils veulent tous que ceux qu'ils ont aimés soient avec Marie. Parce que vous l'avez dit, le bon Dieu nous a donné un beau cadeau avec Marie. Il nous a donné une maman. Et quand on est en train de souffrir, mais vous savez, dans les tranchées, pendant la Première Guerre mondiale, les gens appelaient leur mère au moment de mourir. Eh bien nous, nos défunts, nous ne les jetons pas dans un au-delà vaporeux où ils ne sont pas dans les parages, nous les remettons à quelqu'un. Et en fait, justement, la Vierge Marie, c'est cette mère qui a perdu ses parents. Elle a perdu ses parents, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils. Elle sait ce que le deuil. C'est une femme, c'est un cœur de maman qui a souffert. Et donc, avec un cœur de maman comme le sien, on peut tout lui confier. Et donc, c'est peut-être la seule personne à qui une maman qui a perdu son enfant peut dire, d'accord, à la Vierge Marie, oui, je peux. Ma Marie, occupe-toi de mes enfants. En terminant, pouvez-vous prier avec moi pour les défunts d'ici qui sont là, qui sont présentement ici dans le cimetière, les familles, les gens qui sont touchés, et puis il y a des gens qui chaque jour, chaque minute, hein, qui accompagnent la famille, la parenté qui va décéder. Alors, très bien. On peut les confier justement. Merci Amélie. On peut les confier à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Porte du ciel, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Remède des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Et Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. Ah, okay. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Amélie. Merci à vous. Merci beaucoup.